Bonjour tout le monde. Donc, on fabrique un gel musculaire rapidement ensemble. J'étais due pour en refaire. Le mien était terminé et c'est une formulation que j'aurais fait pour la troisième fois parce que je l'utilise vraiment souvent. Elle est tirée directement de la certification d'aromathérapie que j'offre depuis, on va célébrer les 1 an en juillet. Donc, c'est vraiment directement tiré de cette certification-là en aromathérapie. C'est dans le module 7, ceux qui sont inscrits dans les méthodes d'application, on apprend comment formuler des gels aromas. Aujourd'hui, on va utiliser la gelée d'aloès. C'est vraiment important, la gelée d'aloès, et ce n'est pas du gel. Donc, c'est vraiment de la gelée. C'est beaucoup plus épais. Il faut savoir que dans sa fabrication, ce gel-là de Lily of the Desert, va contenir comment on appelle ça déjà? J'ai un blanc. Comme les gommes de xanthane, etc. Des polymères, c'est ça. Donc, les polymères qui vont ajouter de la texture, qui vont permettre aussi d'émulsifier à l'intérieur de ce gel-là là, ma cuillère est un peu dans le visage, hein. Donc, va permettre d'émulsifier des huiles essentielles. On aurait pu mettre de l'hydrolat, on ne le fera pas aujourd'hui. Une huile végétale. Moi, j'ai le privilège d'avoir fabriqué l'été dernier mon propre macérat huileux de millepertuis. C'est une fleur qui pousse super bien au Québec et qu'on va vraiment aimer utiliser, entre autres, pour le confort musculaire, pour être bien dans son corps. C'est très calmant, apaisant. Par contre, si vous l'utilisez, vous pouvez l'acheter fabriqué par un herboriste ou vous pouvez apprendre à la faire vous-même. C'est quelque chose que j'apprends dans mes différentes formations. Je peux l'utiliser, sauf que le millepertuis va augmenter l'effet du soleil sur ta peau. C'est un peu la même chose que pour les agrumes, par exemple les huiles essentielles d'agrumes comme la bergamote, tout ça. Donc, on va éviter de s'exposer au soleil 12 heures après application. Si tu n'en as pas, fais juste pas mettre d'huile, tu vas avoir un petit peu moins de produit. Mais moi, je voulais vraiment l'utiliser, puis j'aime ça parler. Vous le savez, vous avez remarqué, j'aime parler des huiles essentielles, mais j'aime ça parler aussi des plantes médicinales et aromatiques. Je trouve que tout le monde gagne quand on réapprend ces connaissances-là qui étaient connues à l'époque, qui étaient utilisées et qui mériteraient vraiment à être réincorporées dans nos vies. On en a besoin. Donc, pour ma part, je vais utiliser 15 grammes, donc c'est l'équivalent à peu près une cuillerée à soupe d'huile végétale de millepertuis que j'ai fait moi-même. C'est quand même plaisant quand on a pris le temps de cueillir, de faire macérer et d'extraire la matière, de pouvoir l'utiliser. Et je vais vous dire, ce gel musculaire-là, c'est une recette de ma mentor en aromathérapie, Jade Shute, de qui je tiens la certification d'aromathérapie que j'offre. Donc, c'est une recette qu'elle fait depuis des décennies. Avec lesquelles elle a eu beaucoup, beaucoup de résultats positifs. J'ai changé un petit peu les huiles essentielles, j'en ai modifié, mais vous pouvez y aller plus simplement aussi, là, sans problème. Et personnellement aussi, j'ai des gens autour de moi qui ont utilisé ce gel-là et qui ont été ravis du résultat. Donc, je viens de mettre l'huile comme ceci. Maintenant, pour mes gouttes d'huile essentielle, on va avoir besoin de 15 gouttes d'épinette noire. L'huile essentielle d'épinette noire. J'espère que j'en ai assez. Elle a l'air vide, ma bouteille. Attendez. Je vais l'ouvrir. Ah, que ça sent bon. L'épinette noire, c'est vraiment une huile essentielle à avoir à la maison. C'est une huile essentielle du Québec, produite par la famille Villeneuve en cogénération. Donc, elle mérite à être connue et plus utilisée. Donc, j'en rajouterai hors d'onde ensuite parce que j'en ai d'autres, évidemment, que j'ai un backup. Et ensuite de ça, on va avoir besoin de Gaultheri. La Gaultheri va être très intéressante, mais par contre, les gens qui ne peuvent pas utiliser tout ce qui est relié à l'aspirine, vous devez consulter votre professionnel de la santé avant de l'utiliser. Donc, pour ce qui est de la Gaultheri, c'est seulement 10 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça sent la paparmane. Mais vous avez peut-être remarqué, il y a une protection enfant, c'est ultra toxique à l'interne. On n'utilise jamais, jamais le thé des bois à l'interne. On l'utilise jamais, jamais sur les animaux. On ne la diffuse pas proche d'animaux non plus.
Donc, quelques petites notions de sécurité. Par contre, elle ne vaut pas, il n'y a pas son pareil au niveau du soulagement pour les douleurs, pour les tensions, que ce soit un mal de tête, même des douleurs prémenstruelles. C'est absolument fantastique d'utiliser la Goltérie. Maintenant, je vais aller chercher l'amande poivrée. On va également utiliser 10 gouttes. L'amande poivrée qui a trop, trop, trop d'usage, c'est une indispensable dans ta maison. Notamment, elle va avoir un effet très rafraîchissant. Elle a un effet qui va soulager aussi les muscles, tout ce qui va être tendu, très intéressant. Et ce gel-là, je l'utilise des fois en cas de mal de tête. Je vais l'appliquer ici sur mes tempes en faisant attention à mes yeux, évidemment, mais c'est absolument magnifique. Maintenant, optionnel, à ta guise, tu peux ajouter du lemongrass à l'intérieur. J'ai choisi d'utiliser le lemongrass parce que c'est une huile essentielle qu'on connaît pour son goût extraordinaire dans la cuisine thaï, pour son côté vraiment nettoyant dans le lavage, pour nettoyer les surfaces. Mais on ne sait pas toujours qu'elle est absolument fantastique pour les douleurs musculaires et articulaires. Par contre, le lemongrass, elle est dans nos huiles essentielles qui doivent être bien diluées. On ne l'applique jamais pure sur la peau. Donc, toujours un ratio de 1 pour 5 au minimum, voire plus pour les peaux sensibles. Donc, ça veut dire que si je prends une goutte de lemongrass, je vais m'assurer d'avoir 5 à 10 gouttes d'huile végétale porteuse pour l'utiliser, pour éviter la sensibilité sur la peau. Elle est très puissante. Et bien qu'elle sente les agrumes, ce n'est pas un agrume, ça vient vraiment des graminées dans la famille des gazons, tout comme le palmarosa aussi. Donc, le petit côté citronné, ça nous provient des aldéhydes et c'est très intéressant pour les muscles. C'est aussi très intéressant pour l'aspect stellaire, l'aspect bonne humeur qu'on aime de cette huile essentielle. Donc, je vais mettre 5 gouttes. Enfin, la dernière et non la moindre, je vais ajouter, c'est optionnel, du copaïba. Le copaïba est très intéressant pour soulager les douleurs. En fait, le copaïba, c'est un peu un couteau suisse, mais très, très, très utilisé pour toutes les douleurs dans le corps et ça va bien soulager et c'est d'une grande, grande douceur. Donc, pour moi, le copaïba, il est tout indiqué pour toute la famille, en fait. Donc, c'est vraiment une huile essentielle à avoir à la maison également. Donc, on va mettre 5 gouttes. J'ai hâte de vous montrer le beau mélange. J'aime énormément travailler avec ce produit-là. Donc, parce que ça fait des super beaux mélanges. Donc, j'enlève ma pesée. Comme ceci, là, je vais mélanger. Voyez-vous la belle couleur rouge du millepertuis, comme c'est joli? C'est magnifique. Donc, je brasse tout ça. Mon mélange, il devrait blanchir parce que on va avoir ce qu'on appelle une émulsion polymérique à cause des polymères contenus dans mon gel. Les polymères, là, c'est un terme technique en formulation de cosmétique, mais ce n'est pas nécessairement inquiétant ou quoi que ce soit. La gomme de xanthane, c'est un polymère, la gomme de guar aussi. Donc, quand on dit qu'on fait une émulsion polymérique, c'est simplement que l'on va avoir dans le fond, cette structure-là qui vient dans notre gel est capable de contenir nos huiles essentielles et tout ça. Donc, voilà. Ça blanchit pas. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude. Oui, je vais continuer à brasser comme il faut. Ah, ça sent bien. Ah, ça sent tellement bon. Ça sent le soulagement. C'est absolument fantastique. Il nous reste juste à le mettre en pot. Et j'ai un pot comme ceci que je vais pouvoir utiliser, pour me soulager, pour me frictionner. On va utiliser notre mélange pour une durée d'environ 2-3 mois, mais vous allez voir, ça se vide assez rapidement. Sinon, je vais porter à votre attention que chez Essandia, il y a des petits embouts comme ceci qu'on peut utiliser que j'aime beaucoup pour les gels aromas. Pourquoi je les aime? Parce que ça va nous permettre d'appliquer sans mettre nos doigts dedans. Il y a plusieurs huiles essentielles à l'intérieur de notre gel musculaire qui vont être vraiment moins intéressantes lorsqu'il est mis dans les yeux. Donc, on ne veut surtout pas les mettre dans les yeux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez quoi faire, si vous avez des huiles essentielles dans les yeux chez vous à la maison, c'est quelque chose qui pourrait arriver un jour. Sans faire exprès, on se frotte les yeux et oups, on s'en est mis dans les yeux. On va vite ramasser l'huile végétale la plus proche qu'on a de chez nous. Si c'est de l'huile de canola, si c'est de l'huile d'olive, de l'huile de coco fractionnée, peu importe, on va aller mettre ça dans notre feuille rapidement.
parce que l'huile essentielle ne se mélangera pas avec de l'eau. Et là, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que ça va diluer. Déjà, vous allez avoir un beau soulagement. Vous prenez une débarbouillette d'eau froide et vous rincez tout ça. Et en quelques secondes, c'est ni vu ni connu, vous allez être vraiment soulagé. Mais il faut le savoir parce qu'on a souvent le réflexe de mettre de l'eau froide et c'est là qu'on fait erreur parce que les huiles essentielles se mélangeront pas avec l'eau et on n'aura pas le soulagement escompté. Donc, ces petits embouts-là nous permettent d'appliquer. En fait, on met une pression, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a comme un petit espace. Lorsqu'on met une pression là-dessus, donc en appliquant le produit, ça va faire sortir le gel et ça va nous permettre d'appliquer, par exemple, si je veux soulager mes épaules, d'appliquer sans en mettre sur nos doigts. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Vous allez sur le site web d'Essentia, vous utilisez le code promo si ça vous tente d'avoir 10% de rabais, Boréal 10. Donc, c'est une autre astuce pour appliquer. Sinon, un contenant recyclé que vous avez à la maison, à la limite même un pot maçon, ça va bien faire. Donc, mon gel est déjà fait. Je vous montre un peu la texture. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et là, on a un effet rafraîchissant. C'est léger. Ça ne sera pas gras comme un baume, comme je vais vous montrer demain. Donc, ça va vite être pénétrer dans la peau, le soulagement vient rapidement. Déjà, juste les odeurs, ça sent le soin qu'on s'est fait et ça fait un bien immense. Donc, vraiment à découvrir. Je vous recommande d'essayer de fabriquer un gel. Ça vous prend simplement le gel, la gelée Lily of the Desert. Si vous le souhaitez, si vous avez une herboriste qui en fabrique proche de chez vous, si vous voulez essayer, vous utilisez ici du macérat huileux de millepertuis. Moi, je l'ai fait dans du jojoba avec de la vitamine E l'été dernier. Donc, il faut vraiment qu'il soit très rouge comme ça, sinon vous n'avez pas assez de présence de principe actif là, du millepertuis. On évite de s'exposer au soleil. Je le répète, c'est important. Vous allez vraiment augmenter les effets du soleil avec le millepertuis. Puis, enfin, vous pouvez travailler avec les huiles essentielles que je vous ai proposées. S'il y en a une que vous n'avez pas, empêchez-vous pas de le faire, faites-le. Et au moment d'enregistrer cette vidéo, on est dans les 2 pour 1 chez doTERRA. Donc, si vous souhaitez avoir la qualité doTERRA, je vous recommande, comme toujours, la première règle de sécurité avec les huiles essentielles, c'est d'avoir de la qualité irréprochable. Et avec doTERRA, vous allez être servi. Donc, vous avez en 2 pour 1, vous avez le lemongrass que j'ai utilisé, le copaïba, l'épinette noire et la menthe poivrée. Donc, si vous avez le goût de profiter de ces promotions-là et que vous écoutez pendant les promos et qu'il en reste encore, contactez votre représentante ou vous pouvez m'écrire aussi, ça va me faire plaisir de vous guider. Donc, c'était mon gel, pas plus compliqué que ça. On met en pot, on n'oublie jamais d'étiqueter la date de fabrication, les ingrédients, le nom du produit, vraiment important parce que tous ceux qui pensent que vous allez vous en rappeler, vous n'allez pas vous en rappeler. Et quand le produit est terminé et que vous avez envie de profiter de ce soulagement-là à nouveau, bien là, vous allez pouvoir simplement regarder sur l'étiquette et refaire le produit dans un pot propre. Donc, voilà, j'espère que ça vous est utile. Allez-vous tester cette recette-là? Allez-vous essayer un gel aroma? Les gels aroma, on peut faire des après-soleil, on peut faire des sérums pour le visage avec des huiles essentielles. J'en ai fait plusieurs gels au fil des années sur borealessence.com. Donc, n'hésitez pas d'aller fouiner. Tous les gels crème, c'est tout le temps ce produit-là que j'utilise. Donc, si vous l'achetez, peut-être pas juste le gel musculaire. Assurez-vous de tester plusieurs autres recettes que je vous propose sur le blog borealessence.com. Donc, merci d'être là. Toujours un plaisir de vous voir. Bonne journée.